Good morning, allez, idée sur aujourd'hui le Nishmat, Chaya Esther bat Miriam, Moshe Michel ben Machlouf, Yaakov ben Levana Yosef Akab, Peggy bat Esther et Robert Baruch ben Jamil Tarab. Si vous souhaitez aussi aider mon chaîne d'études de Misha, contactez la sécurité éternelle. Nous étudions le Sechet de Rouvin, Perek Zayin, Mishnah Yud, Bakol me Arvin ou Mishtatfin, Chutz mina Maim ou mina Melach, Divré Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, Kikar hu eruv, afilu ma'afe se'a, vehi prusa, en marvin ba, kikar beisar vu shalem, me arvin bo. Mishnah très simple à traduire, un peu plus compliqué à expliquer, parce que il manque des mots et des transitions. Je commence par traduire directement, bakol me arvin ou mishtatfin. Avec tout, on peut faire un eruv ou faire un shituf me vo'ot. Soit les deux types de eruv qu'on a expliqué pour le eruv, qui peut signifier soit Eruv Hatzerot et Eruv Troumin, et Mishtatfin, c'est Shitufé Mevot. On expliquera juste après, pour le moment je traduis. Chutz mina maim ou mina melach, à l'exception d'avec de l'eau et du sel, divrei Rabbi Eliezer, t'as la vie de Rabbi Eliezer. Donc selon Rabbi Eliezer, pour faire un Eruv ou un Shitouf Mevot, alors on pourra utiliser n'importe quel aliment. Or, cette halakha est fausse en l'état, il va falloir le préciser davantage. Et sur ça, il y a Rabbi Yoshua qui vient et qui m'ajoute comme ça. Il me dit « Kikar ou Eruv » Rabbi Yoshua Omer, « Kikar ou Eruv » Tu dois faire un Eruv avec un kikar, avec un pain. Et un pain entier même. « A filou » un pain entier, un kikar, c'est un pain, c'est pas juste que c'est du pain. C'est un pain entier. « A filou » Maintenant, la taille n'est pas tellement influençable, n'est pas influençable, mais il faut au moins qu'il ait une forme, qu'il soit un entier. « A filou ma fe se'a vehi pour ça » Même s'il a fait cuire un pain qui est énorme, d'une taille d'une CA, ce qui est énorme, d'accord? Alors, Vehi, mais malgré tout, cet énorme pain, cet énorme chala gigantesque, elle est coupée en, elle a un bout qui lui manque, elle est proussa, elle est coupée. Ou en N Marvin Bar, on ne pourra pas faire un Eruv. Kikar Beissar, à l'inverse, Kikar Beissar, si on a un Kikar avec une quantité de farine qu'on a acheté avec un Issar, qui est l'équivalent de 8 proutotes, quelque chose de très petit, mais on a fait un tout petit pain, une toute petite boule de pain, et bien dans ce cas, Vehu Shalem, mais il est entier, et bien, mais Arvin, bon. On pourra faire le Eruv avec lui. Soit, on récapitule d'abord ce qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, c'est pas compliqué. On a apparemment une discussion violente entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quels sont les éléments que l'on peut utiliser pour faire un Eruv? Rabbi Eliezer aurait une tendance à tout me permettre, tandis que Rabbi Yoshua, il m'exige de prendre du pain et un pain qui est entier. En réalité, c'est pas exact. D'abord, premièrement, je suis sûr que ça doit vous dire quelque chose, ces sons-là. Regardez le début de Perek Gimel Mishnah Aleph. On a exactement les mêmes mots. Bakol Marvin Chutz Mina Mimuna Melach. J'explique. Très simplement. Il y a trois sujets de Eruv à traiter. Lorsqu'on veut faire un. Dans ça, la route-là de Maseret Eruvin. Lorsque. Il y a le Eruv Troumin. Eruv Hatzerot. Et Shutufé Mevot. Eruv Troumin, c'est ce qu'on avait longuement expliqué. Je n'ai pas le droit de sortir à Shabbat, en dehors de ma ville, plus que 2000 amas. Sauf si je vais déposer là-bas un pain. Là-bas, le pain que je vais déposer s'appelle un Eruv Troumin. Un Eruv qui va me permettre de dépasser le Troum, la limite de la ville. Et à part ça, Eruvé Chatzerot. Eruvé Chatzerot, alors là, on parle que on est plusieurs comment dire, copropriétaires dans une cour. On est tous voisins dans une grande cour. Et maintenant, on veut faire un Eruv dans la cour, de manière à ce qu'on va tous venir un grand shoot tous ensemble, de manière à ce qu'on va pouvoir faire sortir les objets qui sont dans notre domaine privé, dans cette cour, à cette cour. Ça, c'est Eruv Troumin. Je te fais mes votes, c'est le Mavoï, c'est l'impasse qui mène au cours, maintenant. Entre, alors, donc on a trois cas. Eruv Troumin, je le laisse un peu à part. Je mets Eruv Hatzerot et je te fais mes votes. Shitouf et Mevot, on avait déjà évoqué qu'on peut tout mettre dedans pour faire le Shitouf Mevot. On peut même prendre du vin. Donc là, en l'occurrence, le Umishtatfin, le mot Umishtatfin, c'est qu'on peut faire un Shitouf Mevot, on peut s'associer dans les Mevot, dans le Mavoy, avec tout ce qu'on veut, si ce n'est de l'eau et du vin et du sel, qui sont les deux denrées qui ne sont pas nourrissantes. Et donc, du coup, on sera pas, on ne pourra pas faire le rouvre avec eux. Maintenant, Bakol Meharvin, avec tout, on peut faire le Eruv. En fait, le Barthénois, il nous dit, regardez, si on parle ici, c'est un peu délicat, parce qu'on parle de Eruv Troumin, et pas de Eruv Chatzerot. Mais malgré tout, on va quand même parler un petit peu d'Eruv Chatzerot, parce que Rabbi Yoshua, il a parlé par rapport à Eruv Chatzerot. Donc en fait, le
Tout ce petit fait, il propose un pchat un peu plus compliqué, je préfère rester proche avec le Barthénois. Bah, Kol Marine, on parle donc du Hérouv Troumine, d'accord? On va rester fidèle au Barthénois. Quand tu veux faire le Hérouv Troumine, tu peux utiliser n'importe quel aliment, même des fruits, même des. Tout. Tout, si ce n'est de l'eau et du sel, tu ne pourras pas les mêmes. Les mettre là-bas pour les. Pour faire ton Hérouv Troumine. Ça, c'est ce qui est écrit dans Bakol Marvin. Et la Mishnah passe un peu du coq à l'âne. Après avoir expliqué la loi du Hérouv, elle me fait passer maintenant au Mishtatfin. Au Chitouf Mevot, et tu peux aussi tout utiliser. Par contre, j'ai déduit de là que pour les Hérouv Chatzérot, eh bien, la Mishnah n'en a pas parlé. Mais en réalité, elle a quand même parlé à mi-mot. Parce que Rabbi Yoshua, quand il va venir et qu'il nous dit non, Dieu doit prendre un pain entier, là, c'est sûr, Rabbi Yoshua, on sait qu'il parle spécifiquement du Hérouv Chatzérot. Alors qu'on va vouloir tous s'associer dans le Hatser tous ensemble. Là, Rabbi Yoshua exige de prendre un pain entier. Et du coup, ça me dévoile que le Rabbi Eliezer, en fait, pensait que on n'est pas obligé de prendre un pain entier. Tu dois prendre du pain, mais pas entier. Ok, donc je récapitule maintenant la halakhot selon Rabbi Eliezer. Pour les Hérouv Troumine, tu utilises ce que tu veux. N'importe quel aliment, il faut une quantité de deux repas. On l'avait évoqué. Une quantité de deux repas maintenant. C'est-à-dire, si tu veux, si tu as l'habitude de manger un fruit à la fin de chaque repas, donc tu devras prendre deux fruits. Bon, t'as pas le droit de remplacer tout ton repas par deux fruits. Si tu as l'habitude de prendre dans ton repas d'étaler une cuillère de chocolat à tartiner, tu prendras deux cuillères de chocolat à tartiner, ça fera deux repas. D'accord? Ça, c'est pour le Hérouv Troumine. Il y a une certaine permission. C'est ce que la Mishnah inclut. À l'opposé, il y a les Chitofé Mevohot aussi, tu prends ce que tu veux. Et sur ça, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas en discussion. Même Rabbi Yehoshua est d'accord. Que tu prends ce que tu veux comme aliment. Ou dans quel cas Rabbi Yoshua discute, parce que dans Rabbi Eliezer, c'est plus vraiment écrit, mais on le déduit quand même, qu'il pense que pour les Hérouvé Chatzérot, tu pourras utiliser même des tranches coupées. Sur ça, vient Rabbi Yoshua et me dit non, même si c'est une tranche coupée, ça marche jamais. Même si c'est un pain gigantesque, mais qu'il lui manque une petite tranche, tu ne pourras plus faire le Hérouvé avec lui. Et si c'est un pain minuscule, mais qui est entier, tu pourras faire le Hérouvé avec lui. C'est ce qu'il est venu m'enseigner, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Slachakolto, ça là.